Allez, j'enregistre, donc c'est Rayek avec Ifol et Eren Knight. Et on se fait un Toujours là, petit même quand il le fera tri, pas. voilà, sur la même équipe de Loustic. Donc on se fait un petit Tribe of Midgar en mode survie pépère. Le mode survie Ou pépouze, histoire de voir ce que pépouze, c'est. voilà, pour le découvrir un petit peu. On part, il n'y a rien, il faudra construire le village complet, etc. Et on n'est pas, on va pas être emmerdé. C'est nous qui devons aller chercher les géants pour leur péter la gueule. Donc on va voir. On fait pas la saison 3, hein. On teste juste comme ça. Parce que pour de toute façon, pour faire une saison, faut jouer tout le temps, faut farmer comme des malades. Ce serait marrant de voir si les saisons, ils ont gardé les anciennes ou pas. Si tu peux faire, tu sais, les autres saisons. Ok. Alors J'avoue, bon j'en retour doute. sur Midgar. Je m'appelle Hera, héroïne de la première vague du Valhalla. Les dieux m'ont envoyé afin de veiller à ce que les renforts soient prêts à affronter ce qui les attend. Vous voulez voir ce que c'est, hein? Ragnarok est imminent, plutôt exaltant, n'est-ce pas? Des boss tous plus monstrueux les uns que les autres tentent d'envahir Midgar. Et c'est à vous, et c'est à nous que revient la tâche de les renvoyer d'où elles surgissent. Vos quêtes seront révélées dans les pierres derrière moi. Elles vous montreront quel ennemi affronter. Revenez me voir une fois que vous les aurez tous vaincus pour obtenir des récompenses divines. Mais avant de partir, vous ferez bien de vous équiper car l'immortalité ne veut pas forcément dire invincibilité. Vous allez avoir besoin de votre Omniforge, une petite merveille inventée par les nains permettant de fabriquer instantanément des stations. Accédez-y depuis le menu de construction et déployez là où vous le voulez. Elle peut même réparer votre équipement. À présent, partez, vous devez empêcher Ragnarok, récupérer des ingrédients, fabriquer des stations, construire un village, traquer des Jontars, enfin des Juntars, plutôt Jotnar, pardon. Et pour l'amour d'Odin. Confectionnez-vous des habits, le Vala n'a pas été tendre avec vous de ce côté-là. On est à poil, c'est normal. Alors, comment ça remarche? Bon, X pour taper. Malheureusement, Oh. Et tapa, papa, papa, on n'a papa. pas le Funny Fire, malheureusement. Ça aurait été vachement drôle. Donc, sanctuaire pour voyager, ok. Ah oui, il y a l'arbre Et ce qui est ben, ici. heureusement que l'arbre était pas loin parce que ça m'a permis de me faire un mob au point. Outils manquants. Retrouver des branches, collecter. Voilà. Non, ça je peux pas. Alors, l'Omniforge pour commencer. Ouais, mais comment on fait le nouveau menu? Ah, c'est... Non! Putain, je me suis TP, quel con. C'était pas prévu! Le menu, bah, t'appuies avec la manette. Si t'as une manette PlayStation 5, t'appuies sur le truc du milieu. Recette. Il faut du fer. Il faut du bois, il faut de la pierre. Et le portail sanctuaire, ok. La meule à outils, il faut le silex. Ah, il me faudrait un silex. J'en ai. Moi, j'en décide. Tiens. Donc, je trouve pas, moi. Ah merde, des ennemis. Oula. Et Putain, ils sont toujours aussi chiants, les. Bah je pense qu'on peut les partager hein. Moi j'ai déjà fait la meule là. Voilà outil. Ouais, on peut tout partager en plus. Putain, ils sont casse-couilles les archers, putain, toujours se barrer à 15 bornes. Et ils ont le temps de te taper 20 fois quoi. Ça c'était chiant et ça l'est toujours hein. Pourquoi j'ai un point Il d'exclamation? faut brancher Silex. Donc il faut tout. Voilà, la vengeance. Mon butin, il est où? Là. Pourquoi je peux plus bouger maintenant?
putain, mais c'est quoi ce délire? Je peux plus bouger. Ah, mon perso veut plus bouger. Mais sérieux? Ah, j'ai plus le droit à bouger. Pourquoi? Allô, le jeu, qu'est-ce qui merde? Je peux faire l'esquive, il n'y a aucun problème, mais je peux taper, mais je peux plus bouger avec la manette. Là, ça marche, mais en jeu, je peux plus bouger. ZQSD, ça marche pas. Mais c'est quoi ce délire qu'il y a là? Non, je peux pas, je suis bloqué. Parce que... Non, mais ça me taper, ça marche pas. Lui qui loot, ouais, c'est bien. Annulé. Je suis téléporté sans faire exprès. C'était ouais. À la stèle là. Ça m'a téléporté. Ok, comment je la fabrique? La fabrique? J'ai pas fabriqué moi. Non mais j'ai de quoi me faire une hache. Ah, c'est dans la meule à outils. Ah mais elle est où? Elle est à la base, il faut la fabriquer. Posez une à la base. D'accord. Mais en fait je peux plus bouger, donc tu peux pas me TP. Si hein, tu peux te TP, moi je me suis me TP à l'instant. Attends, mais tu veux dire pour le moment. Non, je peux rien faire, je peux chatter si vous voulez. Je peux plus bouger. J'ai le zoom de la caméra, je peux taper. C'est bien, je peux venir à la base en tapant en fait. Ou en faisant des roulades. Mais. Ben, tu vas dans réglages et tu peux faire tuer votre viking. Après, il y a quitter le jeu, général, et tout en bas, il y a tuer votre viking. Non, je peux aborder le monde, c'est tout. Ben non. Quand tu vas dans réglages, avec l'espèce de d'engrenage. Dans le réglage général, tu descends tout en bas et tu peux faire tuer votre viking. Là où tu choisis la langue. On va voir si ça marche. Non, je peux pas bouger. J'ai toujours. C'est toujours buggé. Rayek a été assommé. Je peux pas bouger. Je peux faire tout le reste. Je peux faire des esquives dans le sens où il va. Je peux me déplacer en esquive ou en tapant. Quel jeu de merde. C'est à moi ça. Alors ça avait bugué quand j'avais fait ça. Allez, ça y est, maintenant ça remarche. C'est parce que... Oh putain, mais quelle horreur. Elle est où la meule? Elle est là. Là. Là, 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 là. Oui, non, mais je suis dessus. Ah. Mais comment t'as fait... comment vous les avez fait, ça? L'Omniforge avec... Alors, c'est avec... C'est avec RB. Enfin, avec L1. Tu as un petit truc. Ah. Et quand tu re-appuies sur L1, ça te permet de sélectionner ce que tu veux. D'accord. Et okay. En l'occurrence, il faut d'abord poser l'Omniforge. Ouais, et après tu peux faire... Et à partir de l'Omniforge, tu peux fabriquer différents trucs. Voilà, et tu peux poser avec le maillet. Et moi, il me manque des branches. Et maintenant, je peux te taper des arbres. Vous avez déjà défoncé tous les arbres du jeu. Si tu peux donner... Tu les jettes par terre. Salut, c'est moi, Soleria, mon frère et moi, on est là pour te guider. Je vais une Kaya, t'as déjà tout raconté sur nous et nos aventures épiques, mais aujourd'hui... Merde. Je vois que tu as récupéré du Silex, félicitations. Il pourra vous servir à créer une meule à outils. Ouais, ok. Ok, d'accord, je vais l'expliquer après. Là, il y a un arbre. Ah oui, d'accord, un coup dans l'arbre et c'est bon, quoi. Ouais, il se casse pas le cul, ouais. Nous sommes des brutes. BAM! Après, est-ce que ça nous permet de récupérer des branches dans tout ça? Ouais. Enfin, pas tous, mais certains, ouais. J'ai les branches, j'ai du silex, je vais pouvoir me faire la pioche. De toute façon, là, on n'est pas pressé, donc...
Il y a l'air quand même d'y avoir un certain cycle jour-nuit. Oui, ça c'est... Je vais faire une canne à pêche aussi. Voilà. Vous avez tout, déjà tout dégommé autour de la base. Bah ça c'est Ifol, hein. Il court depuis tout à l'heure. Alors par contre, j'avais pas souvenir que ça se coupait si vite les arbres. Non, fallait taper plusieurs fois, je crois. On voit pas comment on fait des coffres. Ouais, c'est bon, bien. On récupère de la vie. Comme tu peux. Moi, je crois que ça, à mon avis, c'est pour le mode survie qu'ils ont fait ça. Normalement, tu tapais plusieurs fois, je crois, sur les arbres. C'était peut-être éviter d'aller là-bas pour le moment. Ben, je vais mettre les outils durables. Ah, develop. Bon, est-ce que j'ai récupéré? Ok, tu fais que les pioches. Et là, l'omniforge, un lit, un feu de camp, un sanctuaire. Il faut 10 000 cœurs. Et je sais. Non, ça donne des cœurs. Ah merde, il me faut encore du fer, zut. Ah, quoi qu'à moins que vous ayez fait. Rush. Si jamais vous voulez, il y a de la baston. Où ça? Fais-moi ton arc. Comment on les a déboîtés, les pauvres? Je m'aimerais pas être à leur place. Non, ça c'est on tape pas là du fer. Ah là on n'a pas besoin de donner de trucs à l'arbre. Ah merde, putain, je viens d'en faire un aussi. Oh, il faut... Si tu dis pas aussi que tu l'as fait... De quoi? Bah, je viens de faire un fourneau. Il a fait un fourneau, cet abruti. Mais il le dit pas. Pourquoi je me l'ai pas dit que t'en faisais un? T'aurais dû me dire, hey, il faut... Je suis en train de faire un fourneau. Tu serais pas en train de poser un fourneau, par hasard? Ah non, tu me le dis pas. Bah non, mais dis-le que t'en as fait un. Ils ont tout ça. Bah après, en fait, on vient de se battre et du coup, j'ai oublié ça. Voilà, je l'ai lâché. Voilà. La paix. Ah, je peux pas le prendre, super. Et c'est bon. Mais c'est pas grave, je le garde au cas où, comme ça. Quoique, j'ai envie de dire, en poser plusieurs, ce sera peut-être pas plus mal s'il y a besoin de faire fondre des trucs. Non, il n'y a pas besoin, c'est pas juste pour fabriquer, il n'y a rien à fondre en fait. Il faut juste trouver les composants et c'est tout. D'ailleurs, ça fait penser que j'ai pris un niveau. C'est vrai qu'il n'y a plus de fer là. On peut monter? Non. Il semblait qu'on pouvait monter sur l'espèce de truc, tu vois. Oui et non. Oh, un poulet. Putain, ils sont pires que les archers, ils fuient beaucoup plus vite. Ah. Alors, le chaudron en repas, le fourneau à armes. Ouais, c'est du fer. Ouais, le problème, c'est pour trouver du fer, quoi. Ouais. Comme il faut la tout voler. Non, j'ai rien eu. Enfin, on a fait deux trucs, c'est pour ça, peut-être. Sachant que c'est trois de fer à chaque fois. Quatre.
prochain, faudrait voir à quoi ressemble le. À quoi ressemble le fer. Le fer, c'est les petits, c'est les petites crottes, c'est les petites crottes noires au noir au sol. Ouais, les petites crottes, à chaque fois, c'était du silex. Hein, que je trouve. Non, il y en avait. Non, t'as des. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Cette fois-ci, t'es mort. Ouais, parce qu'on en voit plein sur les hauteurs, mais je sais pas comment les accéder. Je pense qu'on va accéder par un chemin. Non, parce que je voudrais juste me faire une petite épée au moins, quoi. Ouais, ouais, pareil, y a plus, en plus, il y a des mobs de partout. T'en as combien de fer là? Moi j'en ai deux. Je peux en avoir un, suffisant. Viens à la base et je le passe, comme ça au moins un ou deux à une épée, il pourra taper les gros mobs. Attends, mais je suis loin de la base en fait. Moi j'ai pas de coffre aussi. Si, mais plus tard. En fait, tu pourras mettre les. Enfin, tu pourras en faire des coffres. Allez, l'arbre, heal-moi. Bonjour, toi. Acheter. Minerai. Et un de fer et merde. Ah, avec des âmes, c'est bon, j'ai trouvé un mec qui. Mais 50. Bah, ça coûte rien, les autres trucs. De quoi? L'épée, ça coûte rien et l'arc, ça coûte encore moins cher. Ah bah oui, il y a l'arc du villageois pour commencer. Tiens, on dirait bien que tu as eu les yeux plus haut que le ventre. Le niveau de puissance de ces lieux te dépasse complètement, du moins pour l'instant. Montant niveau, il fabrique de meilleurs équipements avant de risquer d'aller... Ok, ça on savait. Maintenant, faut que je rentre à la base. Ça, c'est autre chose. Je pourrais me TP, mais je préfère le garder pour les cas d'urgence. Putain, mais faut qu'ils arrêtent d'apparaître comme ça. Hein. Une ennemie, quand oh, tu l'as pas des créatures perfides surgissent de l'ombre. Ah, ok. Wouhou! Ah, bah c'est bien, je suis arrivé à la base. J'arrive! Attends, mais j'ai revendu mon fer, je comprends pas là. Mais non, je voulais acheter. Pourquoi je suis qu'à 2 sur 4 en fer? J'arrive plus! Je comprends plus là. Bon, bah, je vais rentrer vers l'arbre. Ouais, je vais me remettre un peu de stream. Par contre, je comprends pas pourquoi mon arc, bah, c'est pas mieux. Vous pouvez faire les hachettes, hein, c'est avec de la pierre. Ouais, t'inquiète, on les a. On a réussi ça. Ouais, on se fait quand même agresser la nuit l'arbre, d'accord. Ouais, ouais. Non, on se fait bien agresser, hein. Je sais pas ce qu'il fait, mais il mange. Il voit. Il y en a encore en dessous. Hein. Sur la map, il y en a encore ici. Oh, ils font mal. De toute façon, ils arrivent. Hein. Oh là là. Normalement, si tu restes près de l'arbre, tu te soignes plus vite, je crois. Ouais, et 1000, tu mets 1000 de points de vie. Ok, d'accord, donc la nuit il faut vraiment faire attention. Je voulais essayer de faire l'atelier de. Parce que j'ai trouvé un marchand à un endroit là, mais j'ai pas compris là. Normalement,
J'ai dû récupérer du fer, mais j'en avais pas. Alors, j'ai dû me louper, j'ai dû lui revendre. Ah, tu lui as vendu. Ouais, mais c'est bizarre parce que ça a bien baissé ma... Enfin, j'y retourne. C'est pas loin, donc... Acheter. Bah oui, minerai. Pourtant, il me dit que j'ai pas assez d'âme. Ah non, je les ai bien achetés. Je comprends pas, alors qu'est-ce que j'ai acheté comme... Ah, mais attends, j'ai les minerais. C'est du minerai que j'ai acheté, c'est pas du fer pile poil. Ah. Est-ce que le minerai, on peut le transformer en version au-dessus? Putain, c'est chiant, parce que là, t'as pas beaucoup de ressources autour. T'as pas l'air d'avoir de mines ou de trucs comme ça. Est-ce qu'on a une map, carte? On puisse voir un petit peu ce qu'il y a. Là, il y a des camps ennemis. Après, on peut essayer de se faire un camp ennemi pour... Bah là, je suis en train de me bastonner sur un espèce de gros... comment ça s'appelle? Je dirais un espèce de gros machin, des terres marécageuses. Heureusement que je suis à l'arc. Et sinon, oui, tu peux. Alors, je me souviens, tu peux monter sur les. Comment ça s'appelle? Les trucs en hauteur. Mais il faut faire des espèces de passerelles, faut les fabriquer. Allez, arrête. Bientôt vous voyez, faut chier. J'aimerais bien arriver à pouvoir me faire un bouclier. Parce que le bouclier, c'est la vie, quoi. Il m'a looté une corne en or. Le bouclier égale la vie. Putain, il n'y a pas de popo et rien, quoi. Ah, mes points de vie ne veulent pas remonter, là. Ok. Ah, par contre, c'est pas mal. C'est avec l'arme, si t'as une arme assez longue, tu peux casser ce qui est sur les bords et trucs. Genre, moi, j'avais une aptitude comme ça. Enfin, tu peux le faire. Est-ce qu'on peut casser les trucs Créature du démon. Il m'a déboîte le serpent géant. Bah moi je l'ai éclataxe. Ah non, mais en fait il m'a coincé contre un mur et là j'étais déjà... Il me restait 300 PV. J'ai pas pu aller plus loin. LT démantelé. Ça sert à rien d'avoir les trucs de 100 fois. Il faudrait un peu plus, un tout petit peu plus de pierre. Putain, je vais voir si je pose ma forge là. Le fourneau. Construire. Ouais, et maintenant. Ah, mais non, mais j'ai fait un fourneau. Ah, bah non, bah c'est ça. Oui, tu m'as insulté pour rien tout à l'heure? Non. Ah d'accord, on peut passer là, il y a bien une passerelle là. Mais c'est juste qu'il y a des murs devant. Ah. Démanteler, ça rend un petit peu des ressources. Ok, je suis à 7 de fer. Est-ce que je peux fabriquer... Là, c'est pas là, c'est là. Ah, une petite hachette du fer. Ah, quelqu'un a un fer et je fais le porte-bouclier. Ouais, si tu veux, j'arrive. Il y a un gros mur derrière moi. Quelqu'un peut venir se battre avec moi? Aïe, non. Aïe, 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 aïe. Alors, par contre, les matériaux. Attends. Là, j'ai Il est là. De quoi? T'as un gros monstre? T'as un archer, c'est tout.
Non mais juste encore derrière. T'es où là? Bah il est mort ton mec. Non mais derrière encore. Y'a pas un gros monstre? Oh d'accord. Bah attends. Mais... Hop c'est bon, je... Non mais c'est bon, je l'ai. Il était juste là. Donc je fabrique le porte-bouclier. Ah il est reparti, d'accord. Voilà, un bouclier c'est la vie. Mais c'est pas ça, c'est que tu peux parer les flèches. Oui. Eh, la classe mon bouclier. Bon allez c'est reparti. Peut-être se faire un camp là qu'on y aille à 3. Attends, avant j'avais un mec, je voulais aller me venger. Quoi qu'il y ait un camp qui est juste là où je suis. C'est se faire un camp. Normalement on devrait récupérer des ingrédients, des trucs comme ça. Ok, j'ai encore récupéré du cuir. Un peu de fer ici, là. Putain. Putain, le fer, c'est pénurie, quoi. Merde, je l'ai fait tomber, quelqu'un. Oh! Pourquoi il veut pas que je le prenne? XP de saison. Il est où l'autre? Il est là. Oh merde, mon arme s'est pété. Oh putain, il y a de la durabilité, fait chier. Bah oui. Non mais je pensais pas que ça casserait si vite, quoi. On va rentrer à la base, on va se refaire une hachette. Putain, la gueule aux arbres. Hein. Non, voilà encore. Encore mort face à lui, là. Les Bayfolk, qu'est-ce qui se passe? Il m'a encore tué, le grand méchant lézard. Oula, ils sont un peu beaucoup, là. Un petit trésor honorable. Pourquoi j'ai une arme? Mais pourquoi j'ai... Elle est revenue ma hache. Pourquoi? Ça fait comment quand t'étais bloqué? Ah quand j'étais bloqué, en fait c'est que je suis mort et j'ai fait, je suis allé, j'ai essayé de retourner à mon coffre. Ouais. Oh là là, j'ai la même. Bah, moi je peux avancer comme ça. Hein. Ouais, mais c'est chiant, il faut aller jusqu'à ton coffre. Ah, mais j'ai déjà récupéré mon coffre, c'est ça le problème. Ah. Eh ben, sinon, TP-toi. Ce que je vais faire là. Mais ça n'est pas réussi. Hein. Sinon, faut que tu arrives à aller sur un truc. Qu'est-ce que j'ai récupéré plein de trucs là. En matériaux, j'ai plein de... C'est nul, c'est des minerais. Ouais, ça me fait ce bug là. J'ai suffisamment de cuir pour faire la... Ouais, ça c'est chiant. C'est, en fait, faut pas prendre certains coffres d'une certaine arme. Le porte-bouclier, je peux faire... Ah, il me faut du fil. Comment on fait du fil?
Je vais faire le banc de construction. Je vais même faire l'atelier de bûcheron. Bon, j'ai fait l'atelier de bûcheron. Oh putain, ça va me péter les coups. Désolé. On va prendre bouclier, on a pas ce qu'il faut pour lui faire level up. Vas-y, mais. Attends, je te réanime, bouge pas, bouge pas. Non, 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 c'est... je me suis fait suicider, ça sert à rien. C'est pas possible, ça bug encore. Ah, mais c'est quoi leur truc qui bug là? Il y avait pas ce problème la dernière fois, non? Ok, j'ai fait un truc qui permet de faire des branches. Ah. Ah oui, ça, bah ça permet de, bah de, à partir de passer de l'un à ou de l'autre. De branches, ouais. De faire du bois. Mais c'est comme ça que je vais pouvoir faire le... Ah, il me faut du fil, alors je ne sais pas du tout comment on fait. Là, le bon, il y a le bon de construction. Ah, il me manque une branche. J'ai amélioré niveau 2, le, un des bancs, là. Le banc de bûcheron. Je fais, je suis en train, je vais faire le banc, je vais faire le banc de construction là. Ah, j'ai compris. En fait, il fallait repasser en mode construction. En fait, il y a un problème avec le mode de construction, ça bug. Attends. Oh là là. J'ai amélioré au niveau de ça. Boîte de rangement. Ça y est, on peut faire la boîte de rangement. Ah, enfin. J'ai amélioré la malle à outils au niveau 2 normalement. Je peux pas me faire une deuxième hache. Être tranquille. Oh, je peux faire l'achète du pillard 2. Yes. Et en plus, elle la répare au passage. Ça, c'est bien. Bon, il y a un campement à se déglinguer, là. Parce que sinon... Ah, mais vous l'avez déjà détruit. J'ai fait un rangement vite fait. Et je vais tout juger. Comme ça. Ah, pas tout transférer. D'accord, il n'y a pas beaucoup d'inventaire. Là maintenant il manque que le fil pour pouvoir faire l'atelier à armure. Ben, je pense qu'il faut le trouver au départ. Il y en a encore chopé du XP de saison. Alors cet item constitue ce qu'on appelle chez nous l'XP de saison, il provient du mana. Récupérer autant que possible pour augmenter ton niveau de saison et débloquer des récompenses uniques. Bon, j'ai défoncé le camp. Il y a l'atelier de tannage. Je pense autre chose. Établi construction, chance de chance. Et une arme de niveau 2, ça change tout. Hein. T'as une arme de niveau. Ah, t'as fait une. J'ai la hachette de niveau supérieur. Si on transfère. Ouais, mais non, mais transférer tout dedans. Ah, mais vous avez plein de fer là. Oui, c'est moi qui l'ai amené.
Mais je vous ai dit, vous prenez une lance et vous tapez sur les objets autour là, sur, autour des trucs là. Et vous les, ça les casse en fait, automatiquement. Quoi? La, les objets, même si vous les voyez en hauteur, vous, vous tapez dessus. Attends, regarde là-bas, tu vois les arbres là-bas? Ouais. Regarde, tu vois? Et là, tu récupères comme ça. Mais c'est nul. Ah ah, bah ça marche, j'ai l'impression que j'ai dû le faire. Tu vois que t'es nul. Et plutôt, ah putain, t'as une bonne idée. Non, là, pour le moment, c'est trouver du fil. Boîte de rangement, elle a déjà été posée. Ouais. C'est un petit truc dégueulasse par ça. Oh, un gruik. Je vais péter le cul à ce lézard de merde là. Elle apprendra à me casser les couilles. Il me faudrait un arc pour ça. Ou pas. Là c'est du son, ok. Bon, dans la boîte de rangement, j'ai déposé masse de trucs. On va éviter de se taper le campement ici. Ah les loups. Bonjour les loups. Merci pour le cuir. La fourrure carrément. Ah mince, encore mort. Ça va prendre. T'es, pas, t'es pas doué. Ah non, je fonce dans le tas et après j'explique quoi. C'est pas grave. Le chaudron en repas, ils sont un peu. Oula, il y a un mage, où je me casse. Oula. Ah. Je suis au sol. La roulade, ça m'a pas permis de survivre. Ah putain, j'ai pas pu. C'est de m'approcher. J'arrive près de vous là. Près de vous, il y en a un là, près de moi là. Vous aimeriez. Oui, mais le problème, c'est que. Je suis sur le bas. Et alors, je suis en bas aussi. Je suis en bas aussi. Bah oui, j'arrive bah, vers toi. Non. J'arrive vers toi là. Je suis en bas. J'ai fait une roulade pour descendre. Là, je vois des violets partout là. J'ai des ennemis. Merci. Ouais. Ouais. Bah non, mais là, faut pas se faire le truc en haut. Je me suis fait défoncer. Il y avait une sorcière. Elle m'a explosé la gueule. Je vais aller me soigner quand même près de l'arbre, parce que... Pourquoi tu me tires dessus? Quand tu veux l'arbre, tu me soignes. Merci. Alors, l'atelier de bûcheron. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait encore un peu de silex et il faudrait des pierres. Ouais, peut-être que je me fasse un lit quand même, ça pourrait être bien, non? Ouais, pour que tu puisses respawn. Alors attends, il est où le lit? Là. Bah tu le craftes, en fait tu le craftes oui, sur oui, le oui. Uniforme. En bois quand même. Putain, tout ouais, le bois. Par contre, Tout le bois que j'ai fait là. Il y en a d'autres. Elles font mal les yeux. Ah bah, au moment où je tape. Putain, ça m'a défoncé tout mon bois, là. J'avais récolté plein de bois. Enfin, plein. J'avais récolté du bois. Maintenant, j'ai plus rien.
Bon, on sait toujours pas comment faire des ficelles. Ouais. Le campement, non, mais le campement il est déjà KO. Il est parvenu. Blap. Ah oui, putain, on perd les âmes, c'est vrai. Ah, c'est chiant. Non, tu peux les récupérer si tu vas les chercher normalement, non? Non, ils disent que les âmes sont perdues. Ah putain, j'ai plus de hache. Je vais en refaire une. Qu'est-ce que tu veux, toi? Non, non, on dirait bien que ton équipement a besoin d'être réparé. T'inquiète pas, il suffit d'accéder à la fonction réparer de ton Omniforge. Alors, dans ce coffre-là, c'est quoi? Oh, un modeste niveau 2. D'accord, il n'y avait que de l'XP de saison. Ah non! Oh, il y avait un gourdin d'Ophalcar. Oh, ça va? GG? On va trouver... C'est dingue ça qu'on puisse pas faire les fils, sûrement pas. Mais je pense qu'il faut faire les camps pour en looter au départ, certainement. Ben non, je pense pas. De souvenir, il y avait un truc qui permettait de le faire. Mais parce qu'au début, on avait tous les. Non, il y a des pierres. Tiens, il y a des pierres sur lui. Pourquoi? C'était pour améliorer l'atelier. Il y a un truc qui s'appelle atelier de talage. Et ça peut être du fil, ça. Ah, peut-être, oui. Et tu l'as eu où, ça, l'atelier de talage? Dans Bûcheron, t'as ingrédients et stations en haut, quand tu choisis les menus. Regarde dans le coin du Bûcheron, là. L'atelier de Bûcheron, t'as plusieurs fois, dans tous les ateliers, presque tous, t'as ça. Comment pas? Quand tu ouvres un atelier, oui. Souvent en haut, t'as soit ingrédients. Ah, j'ai station. Soit... Ah, je peux la faire, l'atelier de tannage. Ah, bah, c'est fait. Et il y a du fil, wouhou! C'est là où il y a le fil. Ok. Et il faut de la fourrure. Ouais, super. Logique. Putain, c'est un fil pour 6 fourrures. C'est super cher, quoi. Ouais, il va falloir tuer du loup. Ou des cochons. Ouais, c'est abusé. Ah, pour le banc de construction, il manquera que des pierres. On a déjà fait le banc de construction, non? Oui, non, mais pour le monter niveau 2.
là, c'est quoi ce truc là-bas au bout là? Ce gros carré violet là. Défoncer les loups. Je vais me faire un arc pour dégommer le... De marchand sorcier, utiliser cet item pour révéler instantanément la position de marchand sorcier sur la carte. Sesbradum. Oh le bâtard. Tu vois l'espèce de bombe par terre qu'on peut trouver? Ouais. J'en ai envoyé une sur un ennemi, il me l'a renvoyé. Mais proprement, hein. C'était un des gros monstres, des gros lézards, il me l'a renvoyé un coup de queue. Et là je l'ai vu. Ou un garou. Je suis mort. Oh non, mais il est trop costaud le garou. Et je viens de dégommer un garou. Scout, j'ai trouvé de l'huile de champignon. Ah, par contre, c'est quoi le gros truc rose là qui traîne sur la map? Je sais pas, mais il y en a plein. Et il y en a de plus en plus. Les XP de saison là? Ah! C'est ça que tu l'as sur le sol? Non, mais. Encore mort. Ah, les termes marécageuses, niveau 40. Voir le nombre de morts qu'on a. Pour rigoler. Mais pourquoi il y a... Ah oui, d'accord, c'est les coffres. Putain, ça a vraiment du mal à ramasser les trucs, hein. Waouh. Oh, j'ai déjà trouvé de l'argent. Ouais, en termes marécageuses. Hein. Ah, genre, putain, il y en a là. Oh, je peux l'avoir. Non? Oui, oui, je peux l'avoir. Yes. Faut combien de fils en dessous ou pas? Quoi? Faut combien de fils pour faire la truc? 4, je crois. Ouais. Moi, j'en ai un. Je peux peut-être en faire 2. Un deuxième. J'aime bien.
Elle va choper des trucs en hauteur. Et ça permet de débloquer des trucs en dehors du jeu ou dans le jeu des fois, mais ça marche pas l'avoir. Destruction! Pardon. Respectez la nature. Par voyant. Moi, je défonce tous les arbres. Parce que t'es écolo. Non, je suis anti-allergie. Les arbres, c'est le mal. Station de niveau 3 requise. Quand même faire un arc, c'est pas mal. Surtout pour dégommer. On est obligé d'avoir des flèches ou Non, enfin, tu peux. Soit t'as des flèches infinies, soit t'es. Bon, elles sont nulles. Non, c'est des flèches, ok. Des flèches spéciales, ouais. Ouais, mais ça doit être suffisant pour pouvoir chasser les bestioles. Il est où le truc de Tanner? On a déjà fait l'étagère à munitions. La merde, je vois plus le truc de tannage. Là. Bon, j'en ai fait un deuxième fil. Ah, je vais pouvoir en faire un troisième. Comment on fait? Changer de panneau, LB. Oh, je viens de faire un carnage de loup là dans un petit boulet d'étranglement. Il manquera un fil. Ça va être la nuit. Bon. Ah, parfait pour chasser ça. Voilà, j'ai déposé plein de ressources. Je vais voir. Et il va manquer des fourrures. Il manquerait une fourrure ou un fil. C'est bon, je te les ai mis là. Ok, je récupère les faux. Ça, je fais le fil. Alors, par exemple, le banc de construction, il manque 5 pierres. Donc, c'est. Ah, attends, c'était quoi qu'on... Ah, oui, c'était le truc d'armure. Fabriquer.
Ah, c'est 5 fils, il m'en manque qu'un. Ah, je croyais que c'était 4. C'est bon. Ah, il me manque 3 fourrures. Putain. Putain, c'est pas chiant, quoi. Quoi, il explose d'oiseau. Donc, il manque un fil. Chier. Oh, je peux pas grincer, là. Enfin, il y a des loups. Est-ce qu'ils ont repop, les loups? Je vais aller me les taper, là. Il est coincé là-haut, super. Ah, c'est la nuit, il y a des mecs à combattre. Oui, ben. Ah bon. J'oubliais, je partais pour rien. Ils arrivent par le nord. Ouais, non, mais je sais, je suis déjà en train d'en combattre. Mais je pense que je vais retourner au camp. Comme ça, au moins, j'aurai la régénération de... Alors, normalement, tu peux peut-être bénéficier d'une petite régénération grâce à moi. Faut juste que ça proc quand j'attaque. Oui, alors... Voilà. Et c'est dû à quoi, ça? Ça, c'est faveur. D'accord. C'est en fait, j'ai choisi que j'ai un pourcentage quand je fais un combo au CAC, que j'ai une pousse. Bah, je vais faire, je vais prendre le même, hein, parce que c'est super bien. Qui pop sous du fer ici. C'est con, j'ai pris un point de perks dans les épées et je suis à la hache, quoi. Ah oui, putain, faut de l'or, ok. Faut du fer forgé, d'accord, il faut faire la truc à minerai. C'est l'atelier de sculpture. Vous l'avez pas fait, hein, l'atelier à sculpture? Non. Ok, voilà, en cours. On va espacer un petit peu les trucs parce que c'est... Alors, l'atelier à sculpture, ça permet... La pierre faire des silex et silex faire de la pierre. On peut transformer le fer en minerai et inversement les minerais en fer. Et si on passe au niveau 2... pierre. Ah merde, j'ai pas assez de pierre. Argent, j'en ai pas assez. Si, l'argent, j'ai assez. Le fer, j'ai assez. Il va manquer de la pierre. Est-ce qu'on en a dans le... Oui. On va voir, il me semble. Légèrement. Je l'ai passé niveau 2. On peut faire le fer forgé maintenant. Oh putain, ça coûte tellement cher pour faire. C'est abusé. Leur... C'est V-Rising. C'est même pire que V-Rising là, à ce niveau-là.
Bon, maintenant, quand je vous raise, je fais pop la même graine au sol. Bon, j'ai fait du fer forgé. C'est chiant que ça. T'es obligé d'avoir les trucs sur toi pour fabriquer. Attends, la peau, on pourrait pas la transformer en, en fourrure. Je pense que ce serait plutôt l'inverse. T'as combien de fourrure là? Non, la peau, tu la transformes. La fourrure, il m'en faut 6. Il n'y en a que 4, zut. Je les prends, je vais essayer d'aller choper un loup. Attends, mais le truc de tannage, on peut pas l'améliorer. Putain, il faut des fourrures. Oui. Mais il faut des nageoires de Selsky. C'est quoi ça? C'est les gros. C'est les grosses des trucs. Hein. Ça doit être. Non, ça doit être des trucs dans le marécage, des bestioles dans le marécage, je crois. Alors, normalement, il y a des loups par là, chaque fois. Alors, péter la gueule. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre mon point de. Ah oui. Faveur, c'est quoi le truc qui donne? C'est Crester et ça donne du cuir et non de la fourrure, il me semble. Ouais. Ça donne de la peau, excuse-moi. Alors, Crester, c'est vraiment de la fourrure. Ouais. C'était quoi une chance de faire apparaître un plan d'arbre qui soigne lorsqu'il frappe les cibles? Ah oui. On va le prendre celui-là. Si ça permet de régénérer régulièrement, ça sera plutôt pas mal. Alors normalement il y a des loups par là. Parce qu'après il va nous falloir plein de cuir etc pour pouvoir faire les armures et les trucs comme ça. Alors ça déjà du cuir machin et tout, j'en ai ramené une bonne chier. Hein. Ouais, sauf que tu vas voir que ça va très vite tomber. Certes. C'est un jeu où il te faut 300 000 trucs pour faire un truc. Quoi. J'ai rien pour faire un fer forgé, ça fait peur quoi. Comment le sort qui permet de faire de la vie sous les pieds? C'est pas tout le ah temps. Ah ouais, d'accord. Hein. Moi, il a pop de suite. De premier première attaque, c'est bon, il a popé. Dropez les gars. C'est pas mort si vous dropez pas. Oh le serpent. Ah ça c'est vrai que c'est une horreur. Oh il m'a foutu la trouille. Putain faut qu'ils arrêtent de faire popper les tutos comme ça. Ah hein. Oh, putain j'ai fait un bond. Jabou.
Il n'y a pas des TP là? Normalement, il devrait en avoir des TP dans les zones en fouillant. On peut les crafter. On peut les crafter, ouais. D'accord. Parce que des fois, ça doit être bien chiant de faire tout le chemin, quoi. Ouais, surtout, j'imagine qu'on peut pas transporter certains objets. Certains objets sont non transportables. Si, pourquoi? Non. Tout là, je tout. Pense que. On n'est pas dans V-Rising, là. C'est ça la blague. Merci. Non, là on joue des vikings badass, donc Ah ouais, le lancer de hache, ça va tellement loin que ça coupe même des arbres. Oui, toutes les attaques spéciales, ça défonce tout. Hein. Je sais que normalement on devait pouvoir réparer pour pouvoir faire des mines de pierre ou des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas là. Ah oui, les trucs automatiques. Bah ouais. Ils permettaient d'avoir de la pierre régulièrement, etc. Parce que pour pouvoir faire des fortifications, normalement on doit pouvoir les faire. Oula, ça je vais éviter de me frapper à ça, non? Oula. Ah bah si en plus il y a le soin. Non, il fait trop mal. T'as trop de PV cette merde. J'y vais avec une autre arme. Je me casse. Me tire, me demande pas pourquoi tu partis sans motif. Ouais non, les gros lézards, c'est pas la peine là pour le moment. Allez, une espèce d'hydre démarrée. Les hydres démarrées, c'est. Ah, j'en ai déjà buté deux. Moi je mets trop de temps pour les buter. Après, j'ai peut-être pas l'arme de bon niveau. Bah je l'ai fait avec l'arc de base. Avec l'arc. Et après. Avec l'arc de base. D'accord, ouais, mais moi je suis au corps à corps. Et le deuxième, je l'ai fait avec la hachette de pillard 2. J'ai pas trouvé une seule fourrure. Pas un seul loup. Tu as un renard vite fait. Ah, si, c'est bon. Attends, c'est bon. Ah, du fil, j'en ai trouvé. Non, mais c'est bon. J'ai de quoi faire l'atelier. Attends, c'est là. L'atelier d'armure, enfin! Non. Ah. Je peux pas quitter mes réglages. La touche échappe ne marche pas. Ça va, c'est pas tant que ça au niveau cuir. Alors, attendez, j'ai récupéré le cuir pour fabriquer mais l'équipement de niveau 1. Oh bah je vais devoir me suicider encore, mais attends, c'est pas possible. Ah mais c'est incroyable quand même.
Ouais, non, mais il a l'air d'être... Attends, mais le jeu, il est pas vieux, quand même, hein. Il tournait très bien, la dernière fois qu'on l'a utilisé. Putain, faut 10 fils pour upgrade le... Mon fils, j'en ai combien, là? Du fil, j'en ai chopé 3, là. Ouais, qu'il y en a un qui a lâché son arc de villageois 1. C'est moi, non mais je veux plus me remettre dans le menu parce que sinon ça va être la merde. Je pouvais plus sortir de mon menu. Comment c'est possible? Alors, animé par les... Vous pouvez réanimer vos alliés ou être réanimé par eux en un clin d'œil. C'est quoi le niveau 2 là? Et vas-y. L'épée, moi je peux jouer. Hein. Moi je joue hachette. Je joue à l'arc et à la lance. Comme dans V-Rising presque. Ah d'accord, ok, il y avait une sorcière. J'ai stuffé mon stuff là. Oui, les sorcières, ça fait bobo. Achète hein, dans le stockage. Donc ça doit être la même que j'ai. C'est niveau 2, simple. C'est bien ce petit truc qui redonne des points de vie là. Oh, c'est top méga cool ça. Top délire méga cool. Bah ça proc régulièrement quoi, donc c'est cool. Mm-hmm. Ça vient de repop. J'adore. Allez, viens là. Des gruits.
Oh, ce truc de soin, mais c'est top, mais méga cool. C'est top, 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 d'ailleurs, méga cool. Non, c'est top délire méga groove. Je me trompe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, au secours! Hop, ça y est, je suis full PV. Ah, j'ai plus de pioche, sa mère! Cher gangbang. Ah ça y est, on se fait déjà agresser par nos amis les... Bah il fait nuit. Voilà, le plus de soin, ce serait bien qu'il apparaisse. À la base. C'est ça pour TP? Non, c'est ça. Oh, un géant. Enfin, je sais pas si c'est un géant, c'est un troll. Mais c'est marrant, j'ai de la régène maintenant PV. Et bien, c'est que tu perds pas les outils quand ils sont cassés. Ah putain de merde, je peux. J'ai pas pu aller chercher mon stuff. Ah, connard de noiro là qui trompe mon stuff. Vivement que je puisse me faire une armure. Bon ça va, on n'est pas trop emmerdé, on se fait juste attaquer de temps en temps, mais ça va, c'est pas horrible. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme établi construction, celui-là à la rigueur, on l'a fait ou pas? Oui, il est au fond, normalement le plus à droite. Non, c'est le banc de construction. Là, je te parle de l'établi de construction. Dans la station, ouais. Dedans. Il faut être niveau 3 et on n'est pas... On n'a pas l'obsidienne. J'ai vérifié tout à l'heure. De quoi? On n'a pas les ressources pour le niveau 3? Ouais, on a pas l'obsidienne. Oui. Ouais. Je peux pas... Hein, le bouclier, le truc de bouclier, on peut pas l'upgrade? Le fer on l'a, le bois on l'a, le fer on l'a. Alors il manque juste l'améthyste. Comme ça, je suis pas sûr qu'on en ait de l'améthyste. Attends, je regarde si j'en ai. Non, il y en a pas. Et moi, je reviens du rivage. J'ai récupéré quelques pierres précieuses, mais je sais que j'ai récupéré de l'aigle marine. Il faut de l'or. 16 surforgés, des pierres taillées, au secours. Putain, il faut 8 pierres et 6 silex pour faire une pierre taillée.
Il y a un espèce de troll ici sur la map là-haut. Attends. Je sais pas si vous voyez un point bleu sur la map en haut. Oui. Bah là-bas. Il y a un espèce de troll. À côté grand, des XP là. Ouais, ouais, bah, parce que du... ça doit être un yotnar ça, hein. Je vois. Pas sûr. En tout cas, il est fort. Bah, si on y va, on y va à 3 et on lui pète la gueule. Bah, on y va à 3 alors. Bah, je vais d'abord. On y va à 2 alors. En plus, c'est un donjon là-bas à côté. Ah ouais? Ouais, c'est le donjon souterrain. On va pas lui jeter un œil. Ah, y'a Zephyr Festus. Je dépose tout. On y va. Il faudra aussi des. Il faudra que je chope des âmes pour pouvoir réparer parce que j'ai mon stuf qui est tout cassé. Ah bah, je voulais aller voir ce que c'était. Ah, d'accord, c'était le donjon, c'est ça en fait. Vous parlez de ça tout à l'heure ? Ouais, du truc là, sous côté. On fera la gueule du machin là. J'ai pas vu. Il y a un méchant. Hein. Ah, j'ai déjà pris ça. C'est juste là. Après, il met une tête de mort. C'est est-ce que on a le. Ah, oui, c'est moi qui ai mis une tête de mort. Hein. C'est moi qui ai fait le logo. D'accord. Ah, oui, c'est un. Oh putain, même avec le bouclier, je prends. Point. Alors, je pense qu'on n'était pas trop de 3. Hein. Il y a eu un cœur ancien. Il y a un coffre. Non, non, mais il a looté, mais il a déjà tout ramassé. On fait voir le donjon. Oh putain! Ah oh les dégâts que j'ai pris! Ah. C'est pour ça que je me suis pas rapproché. Ah, je m'y attendais pas du tout. Si tu bouges pas, tu régènes. Il manque rien quoi pour XP. Donc ça c'était le donjon ici alors. Bah je pense que c'est un donjon, je suis pas sûr. Hein. Oh, il y a juste Jarth Naxa niveau 1 à 48 000 HP. Ça va. Bah c'est les arènes ça, c'est les arènes à Yotun ça. Ouais. Ah non, c'est l'assaut de la pleine mer, c'est la saison. C'est là l'objectif de saison là, c'est écrit. Saison 0, épisode 1. Non, je pense pas. Je pense pas que ça. Ah si, ah, si là, la oui. Trompette de Granaza. Ah oui, faut lui péter la gueule en gros. Les 48 000 XP, 48 000 de. Faut pas y aller avec notre stuff, hein. Faut un stuff un peu plus haut. Oui, oui, moi j'y vais pas avec un arc niveau 1. Hein. Même avec un arc niveau 2. Hein. Je vais vers le haut. Là, y a un campement là. Qui a pas été. Clean. Un coffre en haut là. Si on prend l'énergie, je savais que tu étais astralateur, tu viens de monter le niveau. C'est bien, mais enfin, arrête de me raconter ta vie. Par contre, j'ai toujours pas trouvé les endroits où il faut utiliser la canne à pêche. Côté de l'eau. D'accord, ça marche vraiment ? Oui. Putain, je vois pas comment je le fais. Ça te propose pas, hein ? Moi ça me propose pas. Si, si, moi ça me proposait. Oh, un serpent.
Réflexe, taper. C'est ennemi, et ben. C'est ça. Putain, il est du fil. Il est méchant, vilain. Il est du fil par ici, sur les plages. Sur les plages, j'aurais pas l'or, si je me souviens pas bien. Mais à part des XP de saison dans les coffres, y a rien quoi. Oui, en fait, c'est parce qu'ils drop pas, tu les récupères d'office. D'accord. Les XP de saison, c'est le seul truc qui drop en fait. Alors que j'étais en train de rentrer à la base, je me suis fait aggro par un gros serpent. Vive les arcs, je lui ai pourri la tronche. D'ailleurs, en parlant de l'arc, il va falloir que je le level up. Des runes, ouais, j'en ai 4. J'en ai 2 bleues, une verte et une grise. Pas blanche. What? Il y a un troll aussi. Putain, fais chier. Je vais éviter de me le taper tout seul, le troll. Hein. Il fait un petit peu bobo. J'ai mis les types d'ennemis gobelins 60 fois. J'ai eu un défi hebdomadaire. Même pas qu'on avait ça. C'est-à-dire qu'on a lancé le jeu à l'arrache. On l'a lancé en mode balèque total. Tellement utile le truc de soin quand même, putain. Ouais, ah ouais, ça change la vie, franchement. Même là, ils ont changé l'art par rapport à la première saison et c'est bien quoi. Et ça, c'est une bonne idée. Ce truc là de soin, c'est ce qui manquait. Hein. Parce que là, ça permet d'être plus serein en fait. Oh fuck. Merde. Pas des améthystes, non? Oh, j'ai chopé des flèches de ténèbres, tiens. Oh, je viens de récupérer 2 améthystes.
que fait. C'est un mini campement, mais il n'y a pas de coffre. Ah si, il est là. Il est pas là. Alors en améthyste, on en a qu'une seule pour le moment. Dans j'en ai le... deux. On en a une de stockée, du fil, on en a trois, il en manque sept. J'en ai 18 du fil. Je vais me récupérer des aigues marines. Ah bah 18, tu vas pouvoir faire monter le métier armure au niveau 2. Il en manque 10 de fil. Ouais. Ouais, c'est bon, j'en suis à 6 d'améthyste. J'en ai eu 4 d'un coup là. J'ai fait un spot, 4. Ok. Nickel. Bah, j'ai toujours pas trouvé l'or. Hein. Ah, je sais plus où c'est. Parce que comme chaque fois on faisait les modes rapides, là c'était un peu chiant. T'avais pas le temps de tout récupérer. Bah c'est surtout que t'es obligé de rusher. Hein. Ah ouais, le truc ici, c'est faut te jeter dans le truc et tu peux pas remonter, si tu peux remonter par là. J'ai mon arme qui est bientôt KO. C'est pareil. T'es du soin. Je viens de trouver des loups. Incroyable. Alors faites pas de roulade dans l'eau, hein. C'est one shot direct. Hein. Et tu perds tous les ingrédients. Ben tout dépend quelle eau, puisque il y en a certains, quand c'est les petites rivières, tu peux nager. Oui, non, non, mais ça dépend. Genre un bord de mer, c'est bon, mais... C'est bon. Niveau 2. Ou alors, niveau 2 qui ? Bah le... Comment s'appelle ce truc ? J'ai oublié le nom. Là, le truc à ramure. Ok. Ah, par contre, c'est trop nul. C'est que des boosts hachette ou épée. Non, non, tu peux choisir. Pour le niveau 2 ? Ouais, au niveau 2. Moi, je sais que de toute façon, j'ai deux armes. J'ai fait exprès. J'ai une épée et un arc. L'arc me permet de chasser. Moi, j'ai hachette et arc. C'est quoi tous ces loot là? On va rentrer à la base tranquille. On va aller regarder ce qu'on peut upgrade. Oh, c'est trop bien. Quand tu up le plan, tu sais qui heal. Ouais. Quand tu l'as au niveau, je crois que c'est niveau 3. Mm-hmm. En fait, quand t'as les mobs qui rentrent dans la zone du plan, ils sont affaiblis. Ils se font en fait, ils se font empêtrer. Ils se font empêtrer, donc ils peuvent plus bouger. D'accord. Oh, j'ai chassé des poulets. Ouah! Le golden poulet? Non, en fait, c'est pas le golden poulet. Il y avait des poulets qui étaient à côté d'un camp. Je leur ai balancé le... Comment ça s'appelle? Les bombes. Non. J'ai tapé dans une bombe, je leur ai envoyé. J'ai one-shot les 4 poulets.
SDF, les campements de base, là. Ils sont à côté de notre base, c'est bonjour. Je rentre dedans, j'en ai rien à carrer, je vous défonce la mouille. Le coffre, il est là. Trésor honorable niveau 1. J'ai eu un gourdin de machin bidule. Et ce sera meilleur. Il y en a déjà. On a déjà deux qui sont stockés dans le coffre. Elle est où notre base? Au milieu. Ah oui, je suis pas au bon endroit en fait. Je descendais là. Bon, faut que j'aille réparer mon arme là parce que... Elle commence à tirer la gueule. Oh mais j'ai chopé un bouclier de niveau supérieur. Lol. Ah, personnellement là moi je suis a priori je suis niveau 7 personnage niveau 4 de passe. Ah, le bouclier change pas de gueule à l'affichage. Ah, change. Dommage. Ah, d'accord, je me demandais pourquoi j'ai récupéré des points de vie quand je bougeais pas. C'est en fait que j'ai une rune. Rester inactif pendant 3 secondes déclenche un bassin de soins qui génère 150 PV au fil du temps autour de vous. D'accord. En fait, les fantômes, ils attaquent même pas l'arbre. Ils s'en foutent, quoi. Et merde, putain, le TP. Pourquoi il s'est déclenché, le TP ? Alors que je suis en train de bouger, le machin me TP. C'est bien, j'adore. Peur de moi, il a fui. Pardon. Ah tiens, moi aussi je l'ai le truc. Quand je bouge pas, je heal autour de moi. Y a pas un truc qui permet de désosser là parce que les gourdins d'Ofalcar. Ah, je peux me faire l'épée de Signy. Il me manque un ongle de Deltine. On va en avoir un dans le coffre. Même pas avec tout ce qu'on a dégommé comme ultime. Vous n'auriez pas un ongle d'ultime par hasard? Un quoi? Un ongle d'ultime. Si, pourquoi? Il me manque un. Je te le mets dans le coffre. Putain, je le vois pas. Je viens de le mettre. Oui, non, mais c'est qu'on doit en avoir plusieurs, mais je les ai pas vus. Il y a plusieurs onglets.
Oui, il y a deux onglets, ça je sais. Alors les ongles Deltine, il y en a 15, ils sont tout en bas à gauche de la première page. Comme ça, je vais me faire l'épée. L'épée Signi. Moi, je vais level up toutes mes, tous mes outils. Je vais passer en vert. Même est-ce que au pétard il faut trouver des pierres, il faut des pierres, taillées, de la pierre et du grenat pour passer de la meule à outils niveau 3. Ah oui, et le repas je les ai, j'ai mes deux steaks. Les cons, c'est que les vieilles armes, tu peux rien en faire, en fait. Bah, c'est en fonction des vieilles armes. Il y en a certaines qui sont, oui, mais qui pas sont toutes, levelables. Ouais. Ouais. D'ailleurs, hein, qu'est-ce qu'on peut crafter encore sur l'Omniforge? Meule à outils, c'est fait. Chaudron à repas, on l'a. Fourneau d'armes, on l'a. Porte-bouclier, on l'a. Oh, il y avait une arme à 75, quand même. L'atelier de bûcheron, on l'a posé. Ouais. Oui. C'est celui qui a fait le pontonnage, qui nous a permis d'avoir suite. Oh, l'arc il est joli. C'est l'arc électrique. Ouais, c'est celui que j'ai fait. C'est que j'avais les ingrédients sur moi, donc. Et là, c'est l'épée néant. Oh, sympa. J'ai pas vu encore son pouvoir, ce qu'elle fait. En armure, qu'est-ce que je pourrais me faire? C'est étanage. Ah, on peut commencer à faire les trucs de niveau casque du pillard. C'est pas mal. Ah bah avec tout ce que j'ai looté là, avec la session, je peux déjà me faire. Je peux me faire le set le plus haut là pour le moment. Et j'ai encore largement de quoi en fabriquer. Alors, nageoire de Selkie, j'en ai pas. Et le talisman de Gégé, j'en ai pas. Ambre, on en a pas ça. Je vais regarder si je peux up des trucs. Faire tailler, faire forger. Après, on peut pas. Tannage. Alors, moi, il me faut le stuff pillard. Bois, c'est bon. Fourrure, il en manque. Ah, c'est les nageoires de Selkie. Argent, or, ça. Porte-bouclier. Ah, les améthystes. Voilà, il a level up, le bouclier. Un petit bouclier de pillard, là. Non, mais c'est bien, en fait, de mettre le stuff de côté. Parce que si jamais tu meurs, ça permet à ce que le stuff, il soit. Merde, putain, j'enlève mon gros bouclier, moi. Ça va pas, la tête? Ça permet à ce que le stuff. Tu peux prendre du stuff pour aller rechercher ton stuff. Le stuff, tu le gardes, il pète pas le stuff. Quand tu meurs, je crois que tu le perds, hein. Il tombe. Hein. Non. La seule chose que tu perds, c'est. C'est ton sac de loot. Sinon, tu gardes tes armes, d'accord. Ton armure. Ballon de plage. Il faudrait qu'on fasse le truc pour pouvoir faire les popos. Ce serait bien. Alors, les popos, je sais que il y a un sorcier qui en vend. Oui, non, mais je sais. Je suis allé en récupérer, mais. Ah, chantier à bateau, ça il faudra le faire, mais il faut d'abord battre. Et la station, il faudrait la passer au niveau 3. Ah putain, faut des grenades, j'en ai pas. Ouais. Ah mais le chaudron à repas.
Alors je vais regarder voir. Alors voyons voir pour les Selkies. Alors avant d'aller faire les Selkies, je dois voir. Je vais réparer mon stuff. Concoction de potions, il faut passer la boire. Le chaudron à repas au niveau 3. Là, il faut de l'or. Aller par là. Donc, si je regarde la map. Alors, pierre, fer, argent, cœur ancien. Cette boss en fait. Bah là avec les piments qu'on a peut-être. Parce que là en soi ça va être des bateaux pour avoir l'obsidienne et améliorer au après pour les armes. Pas vraiment de choses. Ouais, peut-être le loup-garou a vite fait avoir. Le loup-garou moi je l'ai fait, hein. J'ai bien tué. Oh ouais, il est simple. Bah ouais, faut juste bien parer quoi. Même pas. Moi, il me faisait bobo. Après, j'étais à poil hein, quand je l'ai fait. J'avais juste le bouclier et la hachette. Hein. Ouais, sinon, il y a bien des ondulations dans l'eau pour pêcher. C'est pas juste, juste vers l'eau, ça marche. Ouais, je m'attendais pas à lui. Il est plus costaud lui.
Aïe, mon cher. Quand il veut le la régène. Ah ben. Ok, d'accord. Le bouclier sert à rien contre une attaque électrique. Bon, bah c'est bon, je suis mort, c'est bon. C'est bon, tu m'as tué. On va venir chercher. Putain, il lui restait que dalle. Mais il me faisait, même en mettant le bouclier en corps à corps, il me faisait tellement de dégâts. C'est nawak. C'est quoi, bah pourtant, c'est un des trucs que j'ai déjà battu, mais à mon avis, c'est une version supérieure. Les gobelins, non? Non, 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 les serpents à deux pattes, là. Le problème, c'est que ah j'ai oui, peur. Quand ils font l'attaque à distance. Non, non, mais non, non, là, même son coup de queue, il me faisait tomber 400 HP. Alors que je suis avec le gros bouclier, l'armure à un cran au-dessus. Puis là, mon pouvoir, il s'est pas déclenché une seule fois. De soin, il a fait non, je me déclencherai pas. J'espère qu'il a pas régène. Bah, en tout cas, je le vois pas. Je vois pas le mob. Mais t'es pas du tout au bon endroit. C'est juste parce que j'étais sur toi et je suis juste descendu à cause des mobs. Pour leur péter la tronche. Il est où mon coffre? Il est là. Bah, il était par là. Après, est-ce qu'il y avait un effet poison ou... Parce que là, j'ai des trucs à XP là-haut. Bah écoute, je sais pas, il a disparu. Parce que moi, il était là et il m'a dégommé la gueule. C'est dingue qu'il y soit plus. On va créer un petit camp en bas. Ah oui, ils sont chiants. Hein. Fais gaffe à l'explosion. Oui, ben justement, le problème c'est que je suis resté coincé dans le décor ah. Et je me suis pris l'explosion. Alors je me mets bien au milieu, comme ça je prends les deux tics. Ah ouais, elle est là, le truc de potion. Oh, le truc de pot. Oh, des selkies, c'est ça. C'est des otari en fait. Hein. Comme rune verte. Bouh. Ah, ouais, qu'est-ce qu'il veut encore un... Il est convaincu qu'il faut s'habiller en fonction du climat. Ok. Ouais. Oh, bon, cette dernière avancée, blablabla. Il y a des méchants violets. Oui, mais c'est rien ça. Oh, ça c'est des trucs spéciaux de la nuit.
820, je suis combien? Je suis 219 de puissance, c'est bon, on peut y aller. Pourquoi? Non, parce que, en fait, ça te dit la puissance que recommandée pour aller dans la zone. Ah, là, tu parles là. Dans la zone de quoi? Bah, là où je suis, là. Il te dit c'est une zone de niveau de puissance 120. Je suis 291, donc ça devrait aller. Moi, je suis à 193. Oh bah tiens, il est de retour. Cette fois-ci, tu peux pas me toucher. Je te défonce la gueule. Non, non, mais attends, je le gère, là. Ah oui, il est plus costaud, celui-là. Enfin, si c'est celui-là. J'en ai eu. Ah, le orange, là, je peux pas pour ce XP, c'est pas grave. Je peux pas ramasser des loups. Il faut que je fasse le tour. Oh, essence div de minuit. Mais truc comme ça, il faut impérativement aller looter de nuit. Looter de nuit, ouais. Et tu vois, ça fait une espèce d'aura à chaque fois. Ouais, t'as une petite aura au sol. Bon, moi, j'étais parti pour aller là-bas. C'est le prix de serpent. T'es beaucoup plus vénère dans... Ok, d'accord, je balance des tirs de ténèbres. Oh, ça va, 90 ici, ça devrait aller. C'est la plage avec les... Il y a quoi, prendre des dégâts? Non, bourra. Il est où le coffre? Là. Ici. Book. Ah. C'est bon, j'ai vu. Ah, on se gèle. Oui, là par contre on se pèle les mais alors peut-être là. Parce que c'est la nuit. Non, c'est parce que c'est la zone. Bon, le truc, ça vous dit, avant qu'on termine le live, on va se faire le boss. On essaye. On retourne en ville. Et on va se faire le boss. On répare notre équipement. On va se faire le boss. Tranquillou. Faites vos boosts, tout ce qui va bien. Bah, je suis déjà prêt, j'attends là-bas. Attends, moi je répare parce que l'arme elle a pris cher. J'ai un point de niveau à prendre. Des améthystes, on en a 27 maintenant. Ah, zut, j'aurais dû prendre ça. C'est pas grave. De quoi? Oui, non, mais c'est ça, les améthystes. On en a 27. Là. Ouais, maintenant il faut choper les gros os. En bas, il manque l'or pour la plupart. Attends, c'est où? Et on peut mettre des points, des marqueurs, c'est ça? Ouais, bah c'est le truc rouge, alors... Allez, on va voir si on peut se les taper. Il y a plusieurs entrées, d'accord. Et les niveaux 1, il paraît.
Moi, je ramasse les XP au passage. Il y a des trucs qui traînent. Ah bah, c'est bon. Je suis à l'arrière du truc. Sans la taille des deux côtés. Enfin, je pensais que on peut pas y accéder. Non, t'es obligé de passer devant. Ouais. Mais sinon, il y a une rune de régène aussi. J'ai trouvé une rune de régène. L'esquive qui a fait Osef. Ok, pas parer les boubous là. Ok, les steaks, ça redonne des points de vie, c'est bien. Oh, ces trucs de points de vie, ça nous régénère tellement. Fuyez. Oui, je voudrais bien, mais... En fait, ça m'a rien fait, absolument rien fait. J'ai pris aucun dégât. Presque. Non. Il prend tellement cher. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'elle est passée sous forme Yotnar. Oui, bon, là, Wow. Et il y a des loot, plein de loot. N'oublie pas de récupérer tout le butin. Merci. Captain Obvious. Fragment de machin. Fragment, trophée de YouTube. Trophée de Jurassic. Et on peut sortir ici. C'est pas un coffre. Et ben voilà, ben on s'est fait le boss. Tranquillou. Attends un petit peu si on a eu des loot. Une faveur, tiens. C'est des steaks. J'ai une rune verte, c'est quoi? Conserve 25% de vos quantités de matériaux lorsque vous mourrez lié à votre personnage. Ah, mais. Bon. Bah là, moi, je viens de passer la branche. Mais je l'équipe, mais je perds les loot, d'accord. Niveau 4. Et. Ah oui, racine d'Hydrasil 2. Quand j'aurai la prochaine faveur, les mobs qui rentrent dans la zone de la plante, ils prennent des dégâts. D'accord. Enfin voilà, ça nous a permis de découvrir une version survie, qui est plutôt sympa, hein, on va pas se mentir. Après on pourra continuer, parce que là, saison 2, découvrir les secrets des puissants. En le terrassant. Donc autant, de toute façon, on garde la sauvegarde de côté. Qu'est-ce que c'est, ces trucs? Des trucs bizarres qui apparaissent. On va retourner juste à la base. On n'a pas trouvé l'or. Peut-être que c'est un peu plus au nord. À mon avis, il faudra qu'on fasse les potions de contre le froid, mais le problème. Non, il faut le stuff. Il faut monter l'armure. Un bateau aussi. Ouais. Oui, parce qu'il y a des îles. Ouais, je vois ça. Mais justement, il faut poser un. Il faudra se faire des TP, je pense. Regarde. Justement, TP, j'en ai crafté un. Ben, faudra mettre le bateau à un endroit près de l'eau avec un TP pour pouvoir y aller. Bah, ou sur une autre île, mettre carrément le TP sur l'autre île. Oui, aussi, oui. Mais disons que c'est con, c'est que pour à chaque fois tu voudras avoir accès au port. Tu seras obligé de te déplacer vers le port. Le port d'Amsterdam. Et on le voit sur une autre île quand tu ouvres la map. Oui, on voit qu'il y a un morceau d'île sur la droite là. On voit un petit morceau. Non, c'est juste qu'il te montre où est le prochain boss. Vous savez quoi, je t'en tire à bateau. Il est crafté. D'accord. Bah écoute. On fera ça une autre fois. Voilà, merci à le peu qui sont passés sur le live, voire personne. Comme d'habitude, pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube, abonnement, cloche, pouce bleu, commentaire, partage. Il y a
tout ce qu'ils font en réseaux sociaux dans la description et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao. Ciao tout le monde.